Salut tout le monde, c'est Evade, on se retrouve aujourd'hui sur Base Gaming ou Avaxis Pro Team, comme vous voulez. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à mettre, à gagner en rapidité sur les enchaînements de kills. Donc là on va se retrouver encore sur Hijack, donc bon je vais changer un peu, je vais mettre Nuketown 2025 même si personne ne l'a. Bon vous pouvez faire ça sur Hijack ou une manette, une map que vous aimez bien. Donc on va changer le mode de jeu, on met toujours Melee Général. Les règles, on met à infini de minutes. Enfin voilà, illimité. Et les points, vous pouvez mettre 40. Moi là, je vais mettre 40 parce que ça va être assez rapide. Après santé dégâts, vous mettez 85 environ. Comme ça, vous one-shot tout le monde. Tire dans la tête, non, pas cette fois-ci. Donc voilà, je pense qu'il y a tous les classes comme d'habitude. Les deux de l'e-sniping. Donc je pense pas que. Enfin voilà. Selon les règles. Donc voilà, on lance la partie. Non, zéro, donc voilà, ça va arriver là. Donc voilà, n'oubliez pas de mettre 9 bots en face de vous, comme ça, ce sera très très intense, vous allez en avoir de tous les côtés, et de ce fait, vous pourrez enchaîner les personnes. Bon, ils sont en seconde classe, c'est pas trop trop contraignant, vous allez voir quand même qu'ils sont assez rapides, et que quand ils vous prennent par derrière, ils vous tuent très 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 rapidement. Donc, il y en a un à gauche, et un... à droite. Oula, j'ai oublié de tirer. Donc voilà. Donc n'oubliez pas, il faut sans cesse bourriner. Et manier très bien le jeu les commandes tactiques. Donc le plus chiant c'est le bouclier bien sûr. Putain lui il va me tuer. Donc n'oubliez surtout pas de vous entraîner à la précision, c'est très très important pour la suite des événements. Donc là on va les bouclier. Voyage allié en approche. Donc au fur et à mesure des parties, vous allez connaître les spawns. Voilà. Donc je manque la triple vide. Donc faire attention à ceux qui ont le sniper XPR 50 parce qu'il mitraille vraiment. C'est impressionnant. Donc lui, direct avec son bazooka. Donc vous voyez que la partie est assez rapide. Voilà. Alors il vient de me poser, ça fait du mal. L'ennemi a détruit votre drone. Donc là, lui, il me tire pas derrière. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc il faut bourriner, être concentré. Donc là je suis pas tellement concentré mais ça va quand même. Il y a pire comme match. Vraiment le faire souvent. Ne pas oublier les drag scope. Donc viser à côté pour revenir sur la personne comme celui-ci. N'hésitez pas à bourriner même si c'est de loin. Parce que si vous êtes mauvais de loin, vous irez pas loin en sniping. Donc voilà, n'hésitez pas à vous mettre à couvert parce que. Dès qu'ils vous prennent dans le collimateur, vous êtes mort. Donc voilà. Donc comme vous le voyez, c'est un massacre. Mais disons que quand on est entraîné à la précision, donc comme on a fait dans le tuto, où il faut viser seulement la tête. Après, quand il faut viser un corps, c'est vachement rapide. Donc là, j'ai encore débloqué la microstation orbitale, donc je vais trop relancer. Donc lui, il me court après. Voilà. Que dire de plus, n'hésitez pas à tirer dans le vide si vous savez qu'un ennemi arrive, parce que dans les trois quarts du temps il y a quelqu'un qui arrive. Donc vous pouvez peut-être le tuer. Donc voilà, là ils m'ont tué, donc là je fais du 37 pour 4. Bon ok ils sont en seconde classe, mais croyez-moi que quand vous ferez du 37 pour 4, c'est que vous
serai assez rapide parce que généralement ils vous font mal. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. C'était Yveg, n'hésitez pas à vous abonner, à rusher non-stop sur ces bots là. Ils sont fait exprès. Et j'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Moi personnellement je fais que ça parce que j'ai pas internet, mais si j'avais internet je le ferais parce que aller en ligne c'est très aléatoire, donc du 40 pour 4 à sur de 10. Bon, c'était Yveg, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.